Claude Leroy prédit l'avenir de Sadio Mané au Bayern Munich. Devenu indésirable, il fait ce geste fort à l'entraînement du Bayern. Plus de détails dans la suite de la vidéo. Si vous êtes prêts, commençons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Bayern, la prédiction de Claude Leroy sur l'avenir de Mané. Dans le dur à Munich, moins d'un an après son arrivée, Sadio Mané ne serait plus en odeur de sainteté au Bayern. Loin de faire l'unanimité sur le terrain, 12 buts, 5 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Sadio Mané se serait collé une cible dans le dos après sa violente altercation avec Leroy Sané. Les dirigeants du club bavarois voudraient se débarrasser de l'ancien joueur de Liverpool, d'autant plus qu'il ne rentrerait pas dans les plans du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, arrivé sur le banc en mars dernier. Le constat de Claude Leroy sur Sadio Mané. En effet, selon plusieurs indiscrétions, l'état-major bavarois avec à sa tête, le président Oliver Kahn, peu satisfait du rendement de l'avant-centre Eric Maxime Choupo-Moting, 17 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues, souhaiterait sacrifier l'international sénégalais, 95 sélections, 35 buts, dans un deal XXL, avec le Nigérian Victor Osimhen, estimé à 150 millions d'euros par le Napoli. Un scénario que le champion d'Afrique 2021 était loin d'imaginer lors de son transfert en Allemagne. Pour Claude Leroy, consultant dans l'émission Talents d'Afrique sur Canal+, le natif de Bambali aurait tout intérêt à tourner la page du Bayern dès cet été. « Je ne le vois pas, Sadio Mané, au Bayern la saison prochaine. Je pense que Tuchel a d'autres priorités sur ce poste. Le mieux pour lui c'est de se trouver un club », a estimé l'ancien sélectionneur du Togo. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ailier gauche de 31 ans garde toutefois la cote en Europe et ne manque pas de prétendants. Le mercato estival s'annonce animé pour le protégé d'Aliou Cissé. Annoncé sur le départ, le geste fort de Sadio Mané à l'entraînement du Bayern. Après moins d'un an passé au Bayern Munich, Sadio Mané rencontre déjà des problèmes dans le club. Les dirigeants bavarois envisagent même de l'échanger dans une opération de grande envergure avec l'attaquant napolitain, Victor Osimhen, selon la presse allemande. Mais alors que les rumeurs sur son possible départ du Bayern vont bon train ces derniers jours, depuis sa bagarre avec Leroy Sané, Sadio Mané, lui, continue de travailler à l'entraînement, même lors des jours de repos. Ce mardi, quelques jours avant le match important en Bundesliga dimanche face au Hertha, le Sénégalais s'est rendu sur le terrain d'entraînement, alors que tous ses coéquipiers profitaient du jour de repos offert par Thomas Tuchel. Dans le dur, malgré son but inscrit face à Mayence, le Sénégalais s'est réfugié dans le travail. Il a multiplié les séances ce mardi, pour être à 200% pour les prochains matchs du Bayern, avec un sprint final assez fou, qui s'annonce avec le Borussia Dortmund.